Donc là, il faut impérativement ramener les 3 points. Maintenant, là, il nous reste 8 matchs. Il faut ramener 24 points. Il n'y a plus à calculer. C'est fini. C'est parti. Let's go. Ça va être tendu, hein. Ça va être vraiment tendu. Est-ce qu'on va regretter tous ces matchs nuls? Alors que Chelsea est mené. Oh là là là, Chelsea est mené. Ça serait parfait, ça. Que Chelsea perde alors que nous, on mène et surtout qu'on fait un bon match. Chelsea qui a perdu. Oh là 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 là. Chelsea qui a perdu 2 buts à 1 contre Aston Villa. Est-ce qu'on est capable de shipper cette première place à Chelsea? 4 points de retard sur Chelsea. Il va rester 5 matchs. Et 4 matchs pour reprendre au moins 1 point à Chelsea. Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. L'épisode numéro 11 de la carrière suivie avec Leicester City. Et donc là, c'est la fin de saison tout simplement, hein. C'est vraiment la course au titre, la dernière ligne droite avec les 5 derniers matchs de championnat. On a 4 points de retard sur Chelsea. Je vous rappelle que le dernier match, le 38e journée, ça sera contre Chelsea. Donc on peut avoir jusqu'à 3 points de retard sur eux avant ce dernier match, mais pas plus parce que sinon on pourra pas jouer la course au titre. Ce qui est certain, c'est que notre deuxième place, on est en train de la... pas de la sécuriser encore, mais on est bien parti puisque Tottenham, bon, a quand même un match en moins, mais bon, on a quand même au moins 3 points d'avance sur eux. Va falloir la sécuriser. En tout cas, on est quasiment certain d'être dans les 3 premiers puisque Manchester City est quand même... Ouh non, j'avais pas vu, attendez. Parce qu'il y a Manchester United, ils ont 31 journées, donc 2 de moins que nous. C'est-à-dire qu'ils auraient 61 points s'ils gagnaient leurs 2 matchs. Oh là 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 là, ça serait un truc. Manchester United pour revenir dans le coup. C'est un truc de fou, ça. Ils reviendraient à 6 points de nous seulement. Ouais, 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 attention. Bon, en tout cas, on fait ce match contre West Ham. Et justement, après, on aura Manu, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, match contre West Ham en rouge comme ceci. C'est parti, let's go. Allez, 34e journée de BPL. C'est quand même une sacrée course au titre qu'on est en train de réaliser. On a toujours 4 points de retard, mais bon. On a aussi 3 points d'avance sur le troisième. Attention à ne pas regarder que devant. Et on est parti pour les meilleurs moments. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. On a une sale habitude. Mais c'est pas une sale habitude, c'est une super habitude de marquer que des buts dès les premiers instants du match. Il n'y a même plus de couper, il n'y a même plus besoin de couper. No cut, hashtag no cut. Allez, c'est parti, let's go pour les meilleurs moments. Ah oui, bon ballon dans la profondeur. Bien vu ça. Okazaki, qui va pouvoir donner en profondeur. Mahrez. Oh là 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 là. La parade du gardien, corner. Ah oui, bon dédoublement avec Baines, qui est passé. Baines le crochet, il a revu dans l'axe. La frappe, la barre. Oh là 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 là, c'est pas fini. Et une nouvelle frappe, c'est contré. Allez. Allez, tu frappes. Oh, le poteau encore. Deuxième poteau du match. Décalage. Allez, Hindler. Tu frappes. Oh non, encore un poteau. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Allez, bon, petit ballon. Oh oui, décalage. Pas d'hors-jeu. Allez, tu fusilles. Mais oui. Jamie Vardy qui double la marque. 2-0. La tête! Oh là 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 là, la réduction du score. C'est qui? C'est Andy Carroll? Oh là là, quel but! Quel but qu'a lobé le gardien sur leur première occasion. Oui, oui, oui. Bon décalage. Allez, Okazaki, tu t'appliques! Oh là bas, le poteau, mais non, mais. Mais non! Je suis pas d'accord. Attention, on la frappe de loin. Alors, elle a pas. Non, non, elle a pas rentré. Pas rentrer la balle, a fait le poteau, ouais, ça là on l'a bien vu, mais bon, allez, mi-temps, on a largement dominé cette première période, on se fait surprendre sur la seule occasion. Manchester United qui mène 2-1, Tottenham qui mène aussi. On va regarder un peu les stats quand même. Ah, ouais, quand même, 10 tirs à 2, on a fait 4 poteaux quand même dans ce match, enfin dans cette première mi-temps. On va essayer d'avoir un peu plus de réussite quand même en seconde pour pas se faire surprendre parce que 2-1, rien n'est fait. Pas les laisser passer. Oh là là, c'est tendu. Oui, super Kanté.
Super récupération de Quintet et peut-être une contre-attaque. Allez, allez, allez. Allez, faut y aller là. Faut y aller. Oui. Bien joué, Vardy. Allez, Vardy. Allez, Vardy. Faut conclure maintenant. Oh non, le retour. Penalty. Oh oui, penalty. Ah ouais. Ça, c'est pas bien, ça. Ah oui, carton rouge. Bah oui, dernier défenseur. Ah ouais, là, logique. On va revoir l'action, mais comme il l'a gêné, là. Alors, je sais pas si c'est un bon retour ou pas, parce que peut-être qu'il touche le ballon. Vous avez un pion dans la tête. Qu'est-ce qui se passe, là? Alors. Ah. Wow. Ah, il lui cisaille les jambes, quand même. Il lui en... Ouais, il emmène un peu tout, hein. Il emmène le ballon, il emmène un peu tout. Et Mahrez, qui va avoir l'occasion de mettre le troisième. Allez, voilà. Ça y est, on reprend un break d'avance. Et West Ham qui va évoluer les 30 dernières minutes de cette partie à 10 contre 11. Pour Drinkwater, Drinkwater qui va décaler. Pour Okazaki, Okazaki, il est passé. La frappe d'Okazaki, elle est contrée, ça sera un corner. Allez, dernier quart d'heure dans ce match. Il faut vraiment s'imposer impérativement. Oh, la reprise! L'arrêt! Le poteau! Mais c'est pas possible! Mais non, un cinquième poteau du match, mais non! Allez! Oh, dommage! Oui, tu récupères! Et bon ballon! Oh oui, Mahrez! Le festival Mahrez! Qui va pouvoir conclure devant le gardien! Mais non, mais je veux marquer! Mais non, mais. Sixième poteau? Non! Fuck! Oui, bon ballon pour Riyad Mahrez! Allez, Mahrez! Mahrez, c'est parti. Décalage. Allez, allez. Allez, la frappe. La frappe. Oh là 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 là. La cacahuète d'N'Golo Kanté. 4 buts à 1. Mais oui. Oui, monsieur. On va la revoir, celle-là. Et boum. Oh lolo lolo, ça part vite. Et ça fait 4-1. Attention. Ouais, bien décalé. Et oh, dommage. C'est bien joué là, petit balle placée. Bon allez, fin du match. On aura fait quand même 6 poteaux dans le match. C'est quand même incroyable. Et on aura largement dominé cette période. Ouais, ouais. 4-1. Manchester qui s'impose également 4-1. Tottenham qui s'impose. Donc voilà. Manchester, n'empêche, ils reviennent bien dans cette carrière. Enfin, dans cette fin de saison. Et donc, en attendant, on revient une longueur de Chelsea. Mais bon, ils n'ont pas joué leur match encore. C'est pour ça. Mais en espérant peut-être un faux pas. Même un match nul, on prend. On prend un match nul de Chelsea. Et sur la dernière confrontation, on aurait notre destin entre nos mains. Allez, allez, on avance vers le prochain match en espérant que Chelsea ait fait quoi. Oh, 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 oh. Attendez. Oh là là, on va calculer là. Là, on va calculer, on va enlever tous les mails. Oh là là là. Chelsea a fait match nul? Eh oui, Chelsea a fait match nul. Mais oui, c'est parfait. C'est parfait. Oh là 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 là. Cette fin de saison, elle va être fin de saison de fou. Match nul de Chelsea, Tottenham et Manchester United qui ont un match en moins. C'est n'importe quoi cette fin de saison. C'est un truc de malade. Puisque du coup, ça veut dire que. Ça veut dire que si on en reste, si on gagne, c'est-à-dire que maintenant, on a notre destin en nos mains, en notre main, comment on dit? J'ai même plus parlé. Oh là là, c'est gros fail. On a notre destin entre nos mains. Ouais, c'est ça, destin. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable, j'arrive plus à parler. Bon, ça sera coupé dans les montres. Oh, ils ont fait match nul contre City. D'accord, ils ont fait match nul contre City. Bon, on a notre destin entre nos mains. Ouais, c'est ça, entre nos... Bah, de toute façon, il y a plusieurs mains. Ouais, voilà. Bon, destin entre nos mains, je vais vous expliquer pourquoi. Vous me dites, mais Alex, t'as 2 points de retard. Comment tu peux avoir ton destin entre tes mains? C'est pas possible. Eh ben si, c'est possible. La carte Kiwi, tout est possible. Non, sans blague, sans rien. On a notre destin entre nos mains puisque le dernier match est contre Chelsea. Donc, c'est-à-dire que si on gagne tous nos matchs, on est sûr d'être champion. Voilà, c'est pas plus simple que ça. Si on gagne Swansea, si on gagne Manchester United, si on gagne Everton et si on gagne Chelsea, on est champion. Pourquoi? Puisqu'on a 2 points de retard sur Chelsea. Et si on a tous nos matchs gagnés, ben on aurait 82 points. Puisque 12 points possibles. Chelsea, s'ils gagnent tout, eh ben ils auraient que 81. Ouais, 81. Ils auraient que 9 points, puisqu'ils perdraient contre nous à la fin.
Donc voilà. En fait, c'est vu qu'on a notre affrontation directe contre Chelsea à la fin, eh bien, il suffit de 2 points d'écart, ou même 3 points, puisque bon, on avait la différence en notre faveur, pour avoir notre destin entre nos mains. Voilà. Tout simplement. Là, maintenant, c'est à nous à pas merder. C'est pour ça que j'étais super content que Chelsea ait fait match nul, puisque enfin, on peut décider de notre saison, alors que sinon c'était par rapport au résultat de Chelsea. Bon, bref, je parle pendant 15 ans. On va faire ce match contre Swansea. C'est parti. Deuxième match, et là, super important de gagner ce match contre Swansea. Est-ce qu'il y a un match de Chelsea? Non, il n'y en a pas. Bon, on s'en fout. C'est parti, let's go. 35e journée de BPL entre Leicester City et Swansea City. Leicester a désormais les matchs entre leurs mains, puisque Chelsea n'est plus qu'à 2 longueurs des Foxes, ce qui fait que du coup on pourrait être champion si on gagnait tous nos matchs. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et Tottenham n'est qu'à 3 points hein, si gagnent leur match en retard. Attention à conserver tout de même l'écart avec Tottenham, l'écart avec les équipes en dessous. C'est parti, let's go pour ce match contre Swansea en espérant s'imposer et garder notre destin. Ouais, bon ballon, il s'est arraché. Allez, Vardy, allez, Vardy. Il est passé, Vardy. Il est passé, Vardy. Oh, la parade. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Tu gênes pas. Oh là 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 là. Non. Non. Non, pas Vardy blessé. Oui, relève-toi, bien joué. Oh là 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 là. Pas à ce moment-là de la saison, hein. Surtout pas blessé à ce moment-là. Ah, et bon décalage dans la profondeur vers Okazaki. Allez, Okazaki, il va pouvoir enrouler. C'est pas fini. Ah, si. Ouh, la tête qu'il t'a fait, la détermination qu'il avait là, le gars. Je savais plus qui c'était, mais en tout cas, putain, il était déterminé là. Allez, Okazaki. Okazaki, il est passé. Il est passé, petit ballon. Allez, allez, Drinkwater! La frappe est comptée, oui, rentre, rentre! Oh là 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 là! Ouais, bien fait ça. Allez, allez, décalage! Et tu frappes! Oh là là, la parade de Fabianski encore! Juste avant la mi-temps, ouais. Bon, mi-temps, c'est compliqué là. C'est très compliqué. Bon, on domine, mais sans plus. On a 2-3 occasions. Il va falloir, en seconde mi-temps, voilà, on va se mettre en équilibré. Et va falloir vraiment planter. Parce que sinon, ça sert plus à rien de. D'avoir le destin sur nos épaules pour le titre. Alors que Tottenham mène au score. Ouais. Il nous dit aussi, attention, hein, si tu veux pas de la deuxième place, je la prends. Donc attention à Tottenham. Ouais, attention, Bafé Gomis. Oh là là, la parade de Schmeichel, heureusement. Ouais, toujours 0-0, faut faire attention là. On va se mettre en offensif. Attention au corner quand même, bien défendre. Dégagement de Schmeichel. Et la tête. Y'a quoi? Non. Non. C'est pas possible. Oh là là. Baffé rate. Baffé. Tu te souviens de Lyon? Oh non, mais non, c'est pas possible. Oh là là. Sur un vieux penalty mytho, mais non. Sérieusement? N'a pas le droit. Il y a un appel. Oui, tu l'as lancé. Tu frappes. Oh, à côté. Ah, mais elle est contrée. Non, elle est pas contrée. Ah bon? Oh là 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 là. 82e minute. Non, on peut pas perdre ce match. Vardy. Non. J'y crois pas. J'y crois pas. Allez, 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 la dernière. La dernière. La dernière. Non! Putain. J'y crois pas. De perdre sur un penalty. En plus, c'est un. Il n'y a même pas penalty en plus. Oh, vas-y, ils ont rien fait du match. Ils ont rien fait du match. Oh là là. Non! Oh là, j'acquiesce pas du tout là. Non, putain. Sérieux? Franchement, on se fait voler à chaque fois. C'est pas possible, ça. Ah, j'espère qu'ils ont perdu, Chelsea. J'espère qu'ils ont perdu. Parce que là, c'est pas bon du tout. Non. Oh non, putain.
On avait l'occasion justement. Chelsea nous donne des brèches et nous on les saisit pas. C'est pas bon du tout, pas bon du tout. Le club plombe la série, et ouais, putain. Et là on va jouer maintenant. Oh, wesh. Non. Vous avez vu ce que j'ai vu? Chelsea a perdu! Oh lolo lolo! Oh lolo! Oh. Eh, mais c'est pour jouer avec mes nerfs ou quoi? C'est pas possible! C'est pas possible! Oh là là, c'est quoi cette saison? Mais c'est quoi cette saison? Qui veut du titre? Personne veut du titre, c'est pas possible! Mais en tout cas, si c'est Manchester United qui gagne le titre, alors là, c'est un truc de fou! Parce qu'ils reviennent finalement, ces bâtards! Hein. Oh là 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 là, ils reviennent bien! Et ouais! Oh là 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 là, Tottenham qui reste à 3 points! Personne en veut du titre, c'est pas possible. Je crois que tout le monde s'est craqué. Hein. Je crois que. Attendez. Attendez, on va regarder. Mais je crois que tout le monde s'est craqué en haut du classement. Donc, nous, on a perdu contre Swansea. Chelsea, ils ont perdu contre Bournemouth. Tottenham a perdu contre Manchester. Ah, ils sont tous craqués. Ils se sont tous craqués. Et là, le prochain match, c'est Chelsea contre Tottenham et Manchester contre Leicester. C'est n'importe quoi. Il n'y a qu'en Barclays Premier League qu'on peut vivre des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un truc de malade. Comment tu peux avoir le sourire après une défaite? Voilà. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il restera donc 3 journées. Manchester United. Everton et Chelsea, que des chocs, que des chocs. Parce que Everton, ils sont 7e quand même. Ils sont assez forts quand même, Everton. Et donc, on a toujours notre destin entre nos mains. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on va affronter Manchester United. Donc, attendez, on va regarder un petit peu. Parce que Manchester United, s'ils gagnent, ils reviendraient à 2 points de nous. Et ouais, c'est ça. Et si on les gagne, on aurait 8 points d'avance sur eux, donc on serait sûr d'être au moins 3e. Enfin, là, le podium serait scellé, puisque 8 points et il reste 2 journées, donc ça serait fini. Donc là, sur cette victoire, on peut définitivement assurer notre podium si on gagne, même si on fait match nul, je crois. Enfin, je sais pas. Non, pas si on fait un match nul. Par contre, il y a Chelsea-Tottenham. Alors là, Chelsea-Tottenham, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Ben on peut souhaiter un match nul tout simplement hein, pour qu'ils se foirent tous les deux. Parce qu'une victoire de Tottenham, ouais, peut-être une victoire de Tottenham, mais Tottenham peut revenir après. Hein. Sinon on se craque. Bon bref, ça va être juste un truc de malade. Donc nous on a fait quoi dans cet épisode? On a fait juste cette défaite contre Swansea. Non, on a fait aussi le match contre West Ham, la victoire. Donc on a fait 2 matchs déjà. Ouais. Et on va faire ce 3e match contre Manchester United. Et peut-être que je vais peut-être arrêter là. Je vais peut-être arrêter là et on fera dans le dernier épisode comme ça les 3 derniers matchs. Mais enfin, Chelsea, j'ai envie de le faire en entier. J'ai envie de le faire en entier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Manchester United là dans cet épisode. Et on va s'arrêter là. On s'arrêtera là. On fera 3 matchs. Et dans le dernier épisode, on aura un match résumé. On aura donc un match résumé dans le dernier épisode. Et puis Chelsea en grand format, enfin en match en entier, je pense. Parce que du coup, vu que c'est le match pour le titre. Donc en attendant, 36e journée de BPL. Le suspense est à son comble, est à son apogée, est à son tout ce que vous voulez. On a 5 points d'avance sur Manchester United. Voilà, c'est les deux chocs de cette journée. Le leader Chelsea qui reçoit Tottenham. Et Manchester United, le quatrième, qui reçoit le dauphin de Chelsea, Leicester City. Donc voilà, c'est un truc de malade. Et ils ont mis la grosse équipe, sachant que Rooney, je crois, est meilleur buteur de championnat. Donc ça n'a pas été un match facile, surtout qu'à l'aller, on avait fait 0-0. Donc on est parti, let's go pour les meilleurs moments de ce match. En sachant qu'on a en parallèle Chelsea contre Tottenham. C'est vraiment une fin de saison épique. Attention. Attention, ça conduit bien avec cette frappe et l'ouverture du score. Voilà, on se fait punir d'entrée. 6e minute de jeu, première occasion et premier but pour Manchester United avec Herrera qui ouvre la marque. 1-0. Va falloir rentrer dedans parce que Manchester, eux, ils vont pas attendre. Et d'ailleurs, ils ont pas attendu. Oui, bon ballon. Allez, Jimmy!
Allez Jamie! Légalisation de Jamie Vardy dès la 10e minute de jeu. Voilà, on répond directement dans un silence de cathédrale. Ou ça va être un match de fou. Allez, allez. Allez, bon ballon pour Jamie Vardy. Vardy. Et la frappe à côté d'N'Golo Kanté. Le sang, deuxième poteau. C'est pas fini. Et bon retour. C'est peut-être pas fini encore. Ça va revenir avec cette frappe. C'est contré par Schmeichel. Et attention, Blaine qui est hors jeu. Allez, Drinkwater, dessus, dessus. Et ouais, il est pas assez rapide. La tête. C'est pas fini. Deuxième poteau. Et la reprise. Ouais, magnifique. Cette reprise de qui? C'est Blaine encore? Ah non, c'est Herrera. Doublé d'Herrera. Allez, Vardy. Vardy! Allez! Oh là là là, parade de Valdés, corner. Allez, juste avant la mi-temps. Marquer un petit but. Égaliser. Allez, allez, allez! Oh là là, la sortie de Valdés. Pas une contre-attaque, hein. Surtout pas. Oh là là, et comment il passe? Mais c'est possible, ça! Oh là là là, non, 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 non. Le centre! Oh là 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 là, gardien! Allez, allez, c'est peut-être pas fini. Ah ouais, mi-temps. Bon, ben on est mené 2-1. On va voir ce que fait Chelsea et Tottenham. On peut pas voir. Apparemment, ils jouent pas en même temps. Donc voilà. Alors que Schweinsteiger est rentré, on va se mettre en offensive pour cette seconde période. Ça va être très tendu maintenant que Manu a repris les devants. Mais bon, on est capable, on est capable. Allez. Ah ouais, mais pas avec ces contrôles-là. Oh, vas-y, encore. Et il y a faute. D'accord. Allez, allez. Oh non, elle est trop forte. Dommage. Ah ouais, du coup, il a fait la balayette. Ah, pas rouge, hein. S'il te plaît, pas rouge. Pas pour ça. L'arbitre, non. Mais pas un rouge. Ouais, ça va. Carton jaune. Ouais, parce que là, j'ai pas fait exprès. Franchement, j'étais emporté dans mon élan. Oh, oh, Vardy. Oh non! Oui, mais oui, Jamie Vardy. Oh là 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 là, j'ai eu peur pendant un certain instant qu'il allait pas la mettre. Oh là 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 là. Eh ouais, il a fait une connerie. Eh oui. Comme quoi ça paye de toujours être au pressing. Il y a des jours ça paye. Alors vous allez me dire, ouais, moi le CPU, moi il fait jamais des erreurs. Toi, j'ai l'impression t'es pas en légende. Mais écoutez, pour tous ceux qui disent ça, regardez les. Enfin, non, regardez, parce que je les mets pas en entier les matchs. Mais justement, si je les mettais en entier les matchs, eh bien, vous verrez que constamment je suis au pressing. Et forcément, ben, y a des moments où ça paye hein, d'être au pressing. Hein. Alors, c'est sûr, je vous montre pas les 5 ou 10 fois où ça marche pas du match. Donc voilà, et de temps en temps, un match sur 10, ça paye. Allez, allez. Allez, oui. Oui, bon ballon. Allez, crochet et Inler. Oh là 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 là, contré in extremis. Trinquater. Allez, bon décalage. Il l'air encore? Oh là là, la parade de Valdés, corner. Allez, 25 minutes pour essayer d'arracher une victoire. Qui serait ô combien précieuse. Oh, la sortie de Valdés une nouvelle fois. Non, non, non. Aïe, aïe, ça joue bien. Ça joue bien. Oh non, c'est contré. Oh là 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 là. J'allais dire 100% de réussite s'il récupérait ça. C'est très très chaud, c'est très très chaud, 20 dernières minutes, autant nous que eux peuvent gagner, peut gagner, pardon. Donc ça va être très tendu. Allez, Benz, il est parti, Vardy, il est parti. Allez, Vardy, il est parti. Vardy, Vardy le crochet, Vardy, la petite passe, et frappe. Oh là là, la parade encore de Valdés. Allez, allez, bon ballon. Oh oui, bien joué. Tu finis? Oh non, mais c'est pas possible ce gardien. C'est pas possible. Allez, tu tires? Ah, contré encore. Allez, allez, on aura une autre chance. Oui, il y a corner. Allez, tire! Tire! Oh non! Pff, déjà, il a pas tiré quand je voulais. Et en plus de ça, c'est contré et tout. Pas de chance, pas de chance. Et c'est pas fini. 5 minutes encore. On va rentrer dans le temps additionnel. Il y aura combien? 3 minutes. Allez, il y aura peut-être une dernière action. Allez, allez, faut y aller maintenant. Faut y aller, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Oh là 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 là, oui, il est passé. Allez, bon ballon. Allez, crochette.
Oh, tu finis. Oh non, c'est contré encore. Mais non, c'est pas possible. Allez, ça sera la dernière. Oh là là, c'est pas possible. Laisse l'action. Laisse la... Ah... Non, il a pas laissé. Oh là là, match nul. Aïe, 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 match nul. Oh là 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 là. Ça va être tendu cette fin de saison. Ah ouais, on a dominé ce match, mais bon, ils ont bien joué aussi en contre et tout. Non, non, ça a été un gros match, beau, beau match. En espérant que Chelsea ne gagne pas, parce que s'ils gagnent, ça serait quasiment fini pour le titre. Pas de match disponible, ils vont jouer après, dans quelques jours. Aïe, 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 aïe. En espérant qu'ils gagnent. En espérant que Tottenham gagne, pardon. Ou qu'il y ait non, ou qu'il y ait un match nul, ouais, mais je sais pas. Je sais pas du tout. Et Chelsea a gagné. Ouais, Chelsea a gagné. Aïe, 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 aïe. Chelsea a gagné. Oh là 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 là, ça pue. Ça pue, ça pue. Aïe, 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 aïe. Bon, bah là, autant vous dire qu'on a 4 points désormais. Et autant vous dire que bah, si Chelsea gagne son prochain match ou fait match nul, non, pas s'il fait match nul, mais s'ils gagnent leur prochain match, et bah, ils sont champions. S'ils gagnent leur prochain match, ils sont champions. Par contre, nous, si on gagne notre prochain match, on est sûr d'être deuxième. Mais pour le titre, ça va être très très chaud, ça va être très très tendu. En tout cas, on verra ça dans le prochain épisode, mais en tout cas, ça va être très très tendu. J'espère que cet épisode, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos et actualités sur la chaîne. Sur ce, on se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode. Salut à tous!